Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve tous aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 sur la vieille France. Je suis en compagnie de Nicolas, Salut. de Gabi Salut à tous. et de Kevin. Salut à tous. Et on est tous au complet et on se retrouve. Merde, j'ai pas démarré le gros fail. Non, mais je l'ai éteint. Oh, il démarre plus, t'es sérieux? Vas-y, démarre-le s'il te plaît. Oh, le fail du début de vidéo, il démarre plus le machin. Attends, je fais les fils. Tug life. En fait, c'est pas notre ferme. Hein. Il démarre plus aussi. C'est bon, fail. Bah, je sais pas, y a un autre tracteur dans le. Oh putain, la baisse, il démarre plus, puis on peut pas. Ah si, on peut dételer. Putain, oh, les poules, non, mais c'est une blague. On a pas de voiture, on peut monter à deux. Bah, attends, y'a le 1255 là-bas. Ouais, du coup, c'est chiant parce que. Attends, je vais le réinitialiser, comme ça, il va pas nous gêner déjà. Peut-être que si je le réinitialise, il va démarrer. Hein. Qui merde. Sait. Attends, je monte dedans. Oui, tu as quelqu'un. C'est bon, ça démarre. Je peux rattacher. Bon, bah, c'est le fail du début du jeu. Putain, et dans la cour de ferme, je suis toujours à 20 images secondes. C'est un truc de ouf. Bon, bah, Gabi, t'as trouvé de quoi faire? Ouais. Putain, ça fait bien ton ensemble, là, j'aime bien. Il est chaud, le truc, ou pas? Comme ça, avec. Non. Non. Bah, je crois que j'avais déchaumé un truc à un moment en vidéo, je sais plus où. Ah bah je trouve plus le déchaumeur. Donc du coup au programme c'est pour moi et puis je sais pas qui c'est qui est avec moi aux animaux pour qu'on s'occupe d'eux. Moi. Ok, ça marche. On va s'occuper un peu d'eux parce que là si on regarde y a plus rien là-dedans. En haut à droite là Ouais, de toute façon à la paille ça va être vite fait parce que c'est ce qui en bouffe le moins donc T'as trouvé le déchaumeur Ripper? Ouais non je sais pas. Je suis habitué à un déchaumeur mais je le vois pas. Réinitialise au pire. Je peux pas, je suis pas amené. Bouge pas, tu veux réinitialiser quoi? Bah, réinitialise le déchaumeur, comme ça au pire, on va faire le truc ensemble. Il déchaume et moi je vais semer. Et le 1455 aussi, s'il te plaît, tu peux le réinitialiser. C'est bon. Tech Life. Merci. Tu viens au 28? Ouais. Et en coup de lag là? Ouais, j'ai réinitialisé un tracteur. C'est bon, Reaper? Ouais. Je l'avais déjà fait. La grille normand, je t'attends dans le cas, s'il te plaît. Ah ouais, attends. Quoi, les gars. J'étais en train d'attacher la mélangeuse. Ah j'arrive, ouais, j'arrive. Je prends... Va falloir faire de l'essence dans le 255, il reste 36 litres. Tu veux un petit peu plus grand des chômeurs, non? Ouais. Bah s'il peut, s'il va avoir la capacité, attends, je regarde déjà ce qu'on a déjà, parce que... Un tracteur, il a plus le cap, il a plus les capots. Ouais, faut que tu appuies sur Alt de gauche et 4 et 5, je crois, du numpad. Ouais, 5 mètres 2, alors toi c'est un 2 mètres 7 que t'as, je vais te prendre un 4 mètres 3 en espérant qu'il tire. Attends, je te le réinitialise, du coup je vais vendre celui-là. Surtout qu'il déchaume, bande de bolos, mon truc. Il déchaume. Il déchaume, ouais. Ouais, mais ça fait plus réaliste avec un autre déchaumeur. Je préfère te dire. Une fois que tu me racontes une connerie comme ça, je débarque avec mon classe et je peux te dire que je te déchaume la maison, mon gars. Ça commence à repartir en couille comme la dernière fois sur la vieille France. Ah, mais attends, le mec. Ah, doucement, faut qu'on soit plus sérieux, hein. J'ai signé un ouais. Pacte. Lol. Le mec, ça y est, il y a eu des abonnés qui se sont dit ouais, ton équipe c'est ta merde. Ah, non, les gens ils ont l'air d'apprécier. Il y en a qui disent super vidéo comme d'hab. Alors que des fois, ouais, ça part un peu en couille quoi. Ah, c'est mieux d'être comme ça que bon. Après, c'est pas trop. Ouais, vas-y, la dernière, après, c'est bon. Attends, il bouffe rien ou pas, il est là-dedans. T'es où, Reaper? J'attache mon déchaumeur. Mais. Bien joué. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, Reaper a attaché son déchaumeur. Pardon. Quelle chance, eh? C'est le petit 28 là. La petite 28. Et bah, du coup, tu sèmes du maïs, non? Non, c'est faux là, je suis avec du blé, mais. Tu vois, hein, le mec sème du blé quand je l'ai vu au début de la vidéo, tout le monde va le voir. Tu sèmes du blé avec le machin maïs, toi. Ouais, je peux tous mettre ce que je veux, ok. Pas ma faute si tes mods ils sont nuls. Allez, bonsoir. Ah, ça y est, l'outil. Venez, je vais faire du maïs parce que sinon je vais m'en prendre plein la tête. Ouais, mec, il fait des champs, toutes les coutures. Non, mais après, je m'en fous, je suis pas là pour voir. Bon, du coup, bah là, on va prendre la mélangeuse. Allez, bonsoir. Tu mets du fond au début ou que de la...
Ah, tu veux que je mette. Ok. Ouais, profites-en, on garde le pic pendant qu'on. Du coup, étant de l'herbe. Par contre, je sais pas si leur embanage ça correspond, ça compte comme du foin ou. Attends, je vais tester. Boum. Je sais pas pourquoi je sens que ça va faire l'ensilage. Bah non, puisqu'on l'a fané avant. Ouais, mais quand même. T'as déjà des trucs dedans? Hello, oui, merde. Bon bah, ça rajoute des trucs. Bah du coup, mets un peu l'ensilage, on va faire la ration mélangée du coup. C'est du foin alors ou pas? Bah je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Attends, j'en remets. Bah le mieux non, ça serait. Attends, on va voir après, mais plutôt. Ah mais ah, ça te fait remettre un godet, c'est chiant. Ouais, remaison de toute façon. Oh lolo lolo, je vois le. Lolo lolo. Attends, je vais prendre en bas parce que ça prend pas là. Mon dieu. Ouais, vas-y ma seconde, putain sur cette map là. Il est temps que j'ai un nouveau PC, ça commence à me saouler. Ouais, c'est du foin, c'est bon. Bah du coup là, si tu peux prendre le godet, tu mets de l'ensilage pour que ça fasse la ration mélangée directement, parce que vu que j'avais déjà quelque chose dedans. T'as de la paille. Ouais, il y avait déjà des trucs dedans. Là, t'as juste à mettre bleu, un peu de. Non, justement, c'est pour ça. Il faut que tu mettes de l'ensilage. Oh, on passe, Gabi. T'as un pont en bois sur le côté à Oshi. Plus tard, je me balade. Ouais, normalement t'as un pont. Attends, un pont, je vois pas trop où t'es, mais. Au pire, traverse l'eau, non? Ouais, je vois, non, parce que tout à l'heure je me suis noyé. Ah, mais c'est normal, si tu t'es noyé, t'avais un classe, donc c'est. Ah putain, c'est pas sur cette map où quand tu rentres dans le silo, ça bug. Qui vient en pleine balle. Tu veux que je te passe le truc que j'ai devant? Parce que moi, quand je le mets, je peux plus tourner en fait. Non, ça bug plus depuis la 1.3. Ah, pareil, oui, c'est vrai. Tiens. Je le veux pas. J'espère qu'un golet ça va le faire. Ça va te faire un poids parce que là tu vas partir en arrière. Parce que je peux pas trop forcément en mettre beaucoup. Encore mais tout. Impeccable de la ration mélangée et c'est à 95%. Par contre j'ai pas le son du jeu, j'ai limite pas du tout de son, c'est un peu galère. J'ai le mélangeur de son qui bug ce soir. Le DJ est parti en vacances. David Keto est parti. David Farming, il est plus là, c'est bon. Doug Live. Hop. Bon, on va commencer à déchaumer, Yasmé. Allez, au revoir. Allez, c'est parti. On va donner ça. Et en plus, on a à peu près la même largeur. Et de quoi il parle? Ouais, il aurait dit longueur, j'aurais tilté. Voilà, du coup, tu mets que de l'ensilage maintenant. On va mettre qu'un bol par étape, ça va largement suffire. Celui qui sert du riz, tu sais. Au pire, lève-le ton truc, ouais. Parce que moi aussi, il marche pas. Appuie sur B quand t'es sur le godet. Ça va les steaks. Voilà. Même lever, ça marche pas. Excusez-moi. Je voudrais. Même lever, t'arrives pas. De quoi? Ça va, Nicolas, il arrive à bien déchaumer. Si, il est élevé ce truc à l'avant. Sinon, passe-moi le truc, je vais déchaumer, toi tu sèmes. Mais non. Bah, allez, vas-y alors. C'est juste ce morceau que je vais rattraper. Non, mais c'est bon. Faut calmer. Ils vont me mincir le champ 28, mon gars. Les mecs, on vient de commencer depuis un quart d'heure. Ah, il est sympa le bruit du classe quand tu sèmes. Un peu comme le casque qui s'enflamme, tu vois. En plus, tu es. Putain, mon gars, je laguais pendant une heure là. Je pense qu'encore deux godets ça devrait être bon, ça va faire 16. Non, même pas 16 tonnes. 13 tonnes, non, je sais même pas. Tu mets 3000 par godet, c'est ça? Ouais. 9000. J'achète. 4000 pour la table de 2. 10 000 au téléphone, qui dit mieux, messieurs, dames? Pardon. 11 000! Pourquoi? Pour Farming Edition Platinum? Non, pour que tu la fermes, allez, bonsoir. Un centime, là, quoi, Reaper, qui dit mieux? Oh, t'en mets à côté, chef. Mais non, je suis dessus.
T'en as mis un peu à côté parce que. Puis serait-on qu'on lave les machines, hein. Bon, en même temps, c'est pas connecté depuis 2004, alors laisse-le devant. L'autre il charge tout à l'avant, mon gars, laisse tomber. Là, la gueule du bol mélangeur. Vas-y, c'est bon, après ce godet-là, ça va largement suffire. Attends, j'ai pas fini. 18 tonnes, c'est nickel. T'es plein? Mais non, mais ça suffit. Ouais, en plus, je suis plein, ouais. Attends, moi, je viens mettre des godets comme ça, moi. Mais non, mais ça suffit. Merde, putain, je suis dans l'eau. Ça suffit, ratel le pic, on va mettre que du foin maintenant. Je mets qu'un bol par machin, ça suffit amplement. Ça fait 17 tonnes de sang pour la ration mélangée, ça va faire 18 en ensilage. T'imagines? Take life. Tu paries que ce que t'as fait là, ça a pas marché? Si, ça a marché. Non, tu vis 18 tonnes. J'ai toujours 18 tonnes. Ouais, c'est pas grave. Non, mais vas-y, mets le pic, on va mettre que du foin et puis après on va passer au. On va. Je vais peut-être mettre de l'eau vite fait et puis après on va passer au. Au cochon et tout, parce que mine de rien, on les oublie. Putain, on a toujours pas mis la bétaillère en botte. On va arriver là-bas, ils vont être morts. Ouais. Putain, je fais tout en vue intérieure depuis tout à l'heure. Merde. C'est trop bien. Putain, j'ai peut-être trop collé les ballots. Oh, c'est bon, ça le fait. Bah, du coup, j'attends là, je suis bien. Voilà, chope-en plein d'un coup. Hein. Ouais. Tu peux choper 6 d'un coup hein, si la pile est complète. Sauf si elle est incomplète, par contre, c'est autre chose. Attends, il n'y en a qu'une qui prend, attends. Ah, avance, avance. J'arrive pas. Vas-y, recule. Non, c'est bon. Ah, là, ça fait 2 tonnes par. 2 tonnes 470. Faut être précis, attention. Merde, il a pas le vu assez vite. Bon, ça va, les gars, vous en sortez là? Ouais. Nickel. Merci. On est posé au bord du petit lac. Tout à l'heure, il va être posé dans le lac. Tranquille. En train de pêcher. Et t'as combien de pourcents là? Je suis à 55. Ah, c'est chaud, si je prends les 6, je vais en mettre 4. Ouais, maison 4, ça doit être pas mal. De toute façon, à mon avis, 8 ça. Oh putain! C'est chiant! 8 et c'est complet. Oh, mais... forcément! Vas-y, au pire, t'as combien là? Oh, vas-y, mets là. Hein. Ouais, mais je vais avance au pire si t'es plein. Hein. Je vais la. Non, mais pour avancer, faut déjà que je recule un tout petit peu. Voilà. Putain, à chaque fois je prends l'arche, un truc de ouf, mais je loupe carrément l'entrée du bordel. Oh là. Oh, j'ai voulu tenter de l'acheter, mais ça a pas marché. Ah, les épeuves, toi, comment qu'on joue. C'est clair. Toi, j'ai joué. Laisse tomber. Toi, t'as la pas caméra... sonné, Gabi. La caméra est pas au bon endroit parce que nous on est des dieux. Lourd dingue, les gars. Ah, si, il m'a saoulé. Bah voilà, 18 tonnes, impeccable. Du coup, tu. Putain, j'allais reculer dans la flotte. Tu veux t'occuper de l'eau ou pas? Ouais. Ouais, bonsoir. J'ai coupé la capture vite fait. Oh putain, j'ai plus que 35 litres dans le tracteur. T'as coupé la capture? Ouais, non, c'est bon, j'ai repris. Ça a pas été long. Du coup, le bol, non, je vais le laisser là, je sais pas ce que je fais là, mais. Putain, je fais n'importe quoi. Il est galère ce poteau, il est mal placé là. Qui c'est qui mange là? Il y en a un qui mange dans ma vidéo, c'est pas bien. Il y en a un qui aime bien quand on fait ça. Ouais, dédicace. Celui qui a un bruit de papier là. Mais au pire, je te remplis ta mélangeuse ici, non? Mélangeuse de quoi? J'ai plus besoin de la mélangeuse. Je crois qu'on faisait pour les cochons. Ouais, il nous saoule les cochons. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé ce cochon. Ouais, bah vas-y. Du coup, ouais. C'est que la ration mélangée, je crois, non? Je m'en rappelle même plus.
et en silage. Ah oui. Ration mélangée. En silage. Ouais. Très bien. Du coup, je sais pas trop comment ça marche niveau ballot là. Oh, la négociation. T'as les hangars, mon gars. En fait, c'est là que tu vois que c'est serré, quoi. Pour manœuvre, vas-y, c'est bon, lâche. Ouais, nickel. Après, d'autres fois. Ah ouais, je parlais de deux, ouais, comme ça, ok. Bah, attends, viens là, je vais ramasser celle qui est là déjà. Oh, au pire, non, je vais pas me casser la tête. Oh. Ouais. Putain, t'as du mal à en prendre deux, toi. Non, justement, j'en prends qu'une. Ah. Il y en a une à côté par terre. Putain, vous êtes sages, les gars, dans le champ, là. Ça me plaît pas, ça. Mais oui, il joue à touche pipi depuis tout à l'heure. On a entendu la largeur. T'as l'impression qu'ils sont partis de Skype, les gars. Gabi, bonsoir. Ils sont vraiment plus là, ils m'inquiètent. Moi je te dis, il y en a un des deux qui est pédé. Ouais, Nicolas il est là, c'est sûr. Ça va, elle fait du nudisme. Pardon. Tu veux charger un peu? Ouais, comme tu veux. Bah ouais, ça va changer que t'attendre. Ouais, c'est bon, je suis descendu. Ou alors monter avec moi. Non, bah non, pff, tu vas me faire honte. Honte à la France. Ta gueule. Oh, il était beau celui-là. Putain, comment on est calme, c'est un truc de ouf. On est même trop calme. Ça me plaît pas. De toute façon, y'a rien qui te plaît, toi. T'es jamais content. Alors ? Eh ben, il a bien. Il diminue le temps, mine de rien. Mine de rien. Tantôt. Eh, tu la connais cette expression-là, tantôt. Kevin. Ouais. Ça veut dire cet après-midi ou alors la dernière fois. Ouais, voilà. Eh ben, la dernière fois que je leur ai dit ça, ils étaient surpris, les deux. N'importe quoi, chut, allô, allô, n'importe quoi. Là, tantôt, tantôt. Ils se foutaient de moi, ils arrêtaient pas de répéter ça de la soirée. T'es dans le bleu ou pas là? Solitude. Kevin, attends, t'es dans le bleu ou pas? Voilà, on est nul. Ouais, je suis dans le bleu. Allez, les bleus. Oh, c'est nickel. Pull up. Du coup, tu vas mettre moite dans chaque machin, un pour cochon. Tu vois un peu le nombre de ce que t'as. Bah, puis, faut diviser par 2, 4000, 14 tonnes, 117. Vas-y, sur la calculette. Bah, 7 et 7, tu mets 7 tonnes et puis 7 tonnes. 7 tonnes chez l'un, 7 tonnes chez l'autre, et puis après, on va mettre que de l'ensilage. Je sais pas, non, il y en a pas d'ensilage là-bas. Non. On n'a pas d'ensilage. C'est là que ça pose problème. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Putain, mais il a pas l'air décidé à partir. Donne-moi le cash, je vais aller les mettre parce qu'il bouffe le mec et il bosse pas là. Non, c'est bon, j'ai fini parce que j'avais pas mangé encore. Ah, t'aurais pu le dire, le mec il veut absolument filmer, mais après il mange en vidéo. Le truc c'est trop un thug, après il vient m'engueuler parce que je mange à 9h, le mec il mange à 2h du matin. Ta gueule, vite fait. Mais vite fait, hein. Attends, juste on va passer par là. Juste attends. Le temps des vidéos. Mais regarde-moi le, ça fait 3 quarts d'heure que je filme là, il est en galère le gars. Mais je te vois pas. On t'attend. Ah, t'es là pas. Ah bah en plus, raison de plus. Putain, j'allais filmer, je vais aller voir les deux gars là-bas parce que. Vas-y, on se barre, Reaper. Mais je te voyais pas, honte à la population. Vous me voyez ou pas, les gars là? Non. Non. Je suis juste à côté de vous me voyez pas? T'es quoi, à pied? Ah ouais. Non, on te voit pas. Bon bah c'est nickel pas, ça. C'est la rebelle, il est habillé Alt H. Non, mais même avec le Alt H, il voyait pas du tout mon perso, tu sais, c'est en multi, c'est.
Par contre, je vois Reaper, je suis juste à côté de toi là, bonsoir. Je te vois pas. Attends, je le surveille lui là. Fais ça bien. Ah, la pause, doucement. Allez, c'est parti. Il va bien le case là, le classe là. Bah oui. Il a de la gueule quand même à l'extérieur. À l'intérieur, j'aime pas trop, mais. Ouais, non plus. Mais alors, c'est une petite version encore. Alors celui-là, quand il aura vraiment l'intérieur comme le petit 410 à mon patron, ça serait le top. Silo, tu peux, il y a les cochons à curer, il y a la dose de fumier. Oh, là oui, bah tiens, je vais m'occuper après. Mais tu vois, la ration mélangée, ils en ont assez les cochons, je suis encore à 10 tonnes. Ouais, bah tu mets ça au veau. Ouais, bah moi c'est bon, tu vois, j'ai trouvé quelque chose à faire, ça va changer un peu, je viens avec mon cas, je vais curer les. Ah, j'attends Gabi. Je débarque pour curer les machins là-bas. Bah prends un godet de betterave. Reaper va commencer le 6 au pire. Ah y'a le 6 à faire. Oh là, j'ai bugué dans le pont. Prends un godet de betterave comme ça tu l'as mis au cochon. Bah il reste 6 tonnes. Putain mais c'est pas vrai, je me fail comme un. Il salit pas le classe. Si je crois qu'il est washable. Il est washable. Il est washable, ça me fait marrer, je lui dis ça. Il comprend rien. Et le 22 il a déjà été semé, tous les champs ils ont été ressemés là. Oh la barrière s'ouvre, c'est rare. Ça fait 15 ans que je me suis pas connecté alors, tu sais. Oui, je crois que c'est Boy Reaper qui avait cultivé et semé. Bah dans la dernière vidéo, je crois. Ah oui, j'ai fertilisé moi. Fertilisé. Après, c'est moi qui sors des blagues nulles, mais moi je place pas des produits pour toucher 5000 euros par jour. Pour tuer de la limace, bah putain, c'est plus cher payé. Pour tuer de la limace ou faire de l'engrais. Et vas-y, y'a un mur. Non, jure. J'ai bugué. Ça va aller, steak, frère. Pull up, secta. Ils ont encore du gras, les cochons. Bah, à la limite, si t'as la bénette, tu peux leur ramener du maïs. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Der lol. Et puis moi, pendant que je cure, bah tu ramèneras aussi un peu de betterave pour vraiment que ça soit plein. Parce que tu sais, je mets 2,5 godets par machin. T'as trop raison. Mais j'ai pas de chargeur. Ah ouais, crotte de nez. Y'a plus de batterie. Crotte de bic. Oh oh. Je mets de bouc. Il est grand le champ 6, hyper. Non, il est petit. Non, il est petit. J'ai pas dit que celui qui vient de faire. J'ai quelques bugs. Ouais, je crois. Allez, c'est parti, on cure à nouveau. Là. Ouais. Elle a bien besoin. J'ai du mal à aller en fait. J'ai quelques bugs. 10 000 MS, bonjour. Ah, ta soeur s'est connectée au PC. Bah, ça fait depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé la vidéo, elle est dessus. Bah, ça va, tu t'es pas trop plein. Non. Il prend non, sur c'est lui. Pas revenu, là. C'est par moment en fait. Ah, si ça se maintient comme ça, c'est mieux. Deuil. Le champ 6, c'est un champ d'herbe. Et du coup, allez. Toi, Kevin, t'as arrêté. Ben... Tu vas faire quoi maintenant? C'est à dire. Bah, vu que t'as arrêté la pizza. SDF. Je sais pas encore. Normalement, je vais travailler dans le. Conduire Telesco et Bobcat. T'as les cassettes au moins? Non, je l'ai pas justement. Moi c'est j'ai. Qui fait ça là? Attention, moi 4. J'ai. Je vais avoir la permission, tu sais, dans les magasins, les tire-pas l'électrique. Truc, j'ai même pas la permission, je m'en sers quand même. Mais oui, mais moi avant, je savais pas conduire de Clark, je suis arrivé, il y avait un truc qui me bloquait, hop, j'ai conduit Clark, c'est pas dur. Bon, pff, c'est tout con, ça. Genre même une permission, le truc il sert à rien. Même dans le magasin, il y en a, ils travaillent depuis plus de 30 ans, ils ont jamais eu d'autorisation pour conduire ça. Je peux ranger le déchômeur, moi. Bah ouais, la limite, de toute façon, là, je cure un peu, puis après, je vais les... Bah, je vais, le 4, je vais oui, couper la capture ici. C'était chez moi, le bruit. Eh, viens fumer le club, non? Voilà. Manifestation. Manifestation. Oh, on en a marre, de charal. Prix du lait, 1,40€. Non, c'est le prix du cochon, je crois, ou du kilo, j'ai vu. Jean-Guigui, viens, il y a manifestation au carrefour, là, devant le panneau Charal.
Là, c'est manifestation. Pas content. Pas content. Chef. Attends, vous avez des drapeaux de la FDSEA au moins? À l'abattoir, le chef. Jean Guigui, démission, c'est un patron. Voilà. Jean Guigui, dans un paquet, Charles. Mais c'est moi en fait. Le gars qui capte rien. T'as qu'à venir voir au Carrefour, on manifeste. Par contre, viens pas trop vite, c'est limité à 50. Oh, non, a marre. Jean Guigui. Démission du patron, il travaille comme un fion, pardon. Ah bah, le patron, c'est une tête de con. Ah bah, le patron. Ouais, t'as trop raison. Regarde, t'as vu Gabi, le patron, il porte pas ses couilles, il vient pas au rassemblement. Ouais, grave, il assume même pas. Ah, moi, en attendant, je bosse pour vous payer. Il les a avalés, c'est bon. C'est lui la bosse, c'est carré. Je vais aller se mettre du maïs chez ses cochons, moi, allez. Vas-y, moi, je vais voir le chef. Je vais sucer. Okay. Tu vas quoi? J'ai pas trop compris là. Ah, non. Rien. Tu veux une prime, c'est ça? Oh putain. Merde, j'ai pas mis le bâti de fourche depuis tout à l'heure, j'en remarque. Pas content. Je suis curé, je viens à la manif. Mettez les drapeaux de la FDSEA. Oh. Mettez des tas de fumier devant les monoprix et tout. Gabi, va à la porte, va à la porte où il est, vas-y, va le bloquer, je bloque de l'autre côté. Vous ne passerez pas, monsieur. Non. Vas-y, tiens. C'est tout ce que t'as, mec. Mais allez, arrête, on est en vidéo, là. Celui qui me dit ça, mort de rien. Roleplay là-dedans, là. Aucun respect, mec. Bon, j'ai posé ça à la maison, chef. Ça marche. Le mec pas trop léger cul dans le fond. Je vais le nettoyer aussi. Je vais le nettoyer avec ma salive. Très bien. Ah, je suis dans l'eau. Non. Non. Je rigole. Je le lavais en fait. Ça marche pas bien l'eau. Elle est polluée. Il faut que je la lave au Karcher. Quel boulot, je l'ai vu, il a loupé son virage, il a atterri dans l'eau direct. Ah ouais, mais vu de la manière qu'il a rigolé. Là, je vais le couper l'arbre, mon gars. C'est clair. On a dit à bas le chef, pas à bas les arbres. Ah ouais, mais moi je confonds un peu, tu vois. J'ai une tête de tronc, c'est ça? Bah, ouais. Je suis une vieille branche. C'est toi la branche. Le mec, il va plus vite que moi. Allez hop, dernier godet, je vais passer par là. Vite, y'a le chef qui arrive. Mais les couilles, frère. Ah non, mais sans déconner, y'a un épisode à la vie France, faut que ça parte en couille. C'était sérieux, hein. Y'a Nicolas qui est sérieux. Non, mais il a pas de tracteur. Il est où là? Il est dans ton pick-up en train de te faire des trucs, mon gars. Avec la voisine, oulala. Avec ta femme. Avec qui? Avec ta fameuse ouais. Bon, les têtes de bite, je vous laisse. Allez, c'est parti, moi je suis à la ferme. Voilà l'esquive que je lui ai tapé en fait. C'est clair, elle a cru que j'allais me pousser. Bon, moi je vais ranger le tracteur et puis on va se laisser là-dessus. Hop! Pécab bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit retour sur la vieille France avec le gogol qui fait un rond depuis 10 minutes. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde. Salut.